Je m'appelle Denis Agaï, je suis fondateur et président de l'association Elephant Gang qu'on a créée avec ma sœur et qu'aujourd'hui on essaie de développer. On essaie de faire le nécessaire pour aller de l'avant et d'aider le plus d'enfants possible à travers l'Afrique et d'apporter cet espoir et cette ambition. Ce qui m'a motivé à faire cette association, c'est Mr. Reeds. C'est lui qui m'a montré le chemin. J'espère qu'ensemble, on va aller très loin. As you guys know, I also teach classes at Spring Hill College, right? And it's amazing that I'm able to not just tell the students about business, you know, strategies and business skills that I try to impart, you know, to the students. But now I can also share this vision that you can be a social entrepreneur, that you can make a difference in this world, and don't expect it to be this huge thing. You don't have to go solve world hunger one country at a time. Do it one person at a time. And then you'd be surprised, once you start small, it begins to grow and grow and grow. Don't ignore it, explore it. À court terme, moi, j'aimerais que vraiment on soit carré au niveau administratif, qu'on puisse avoir des liens sur place, des accords avec des écoles, pour avoir un impact le plus concret possible. Sur le moyen terme, j'aimerais que l'influence de l'association grandisse en Afrique. Au départ, on est concentré sur Abidjan, puisqu'on est issu de la diaspora, on est né en Côte d'Ivoire. Et si ce n'est pas nous qui nous occupons d'apporter de l'aide à notre continent, on ne peut pas espérer que les autres le fassent. Et sur le long terme, on aimerait vraiment aider dans toute l'Afrique. Nous, on pense que c'est l'éducation la clé. Si on arrive à apporter une éducation de qualité dans chaque pays, c'est ça qui pourra faire que le continent va se développer. Je voulais dire merci à tous les gens qui m'ont aidé depuis le début. Je vous assure que l'avenir sera plus beau. Et avec votre aide, on sera capable de le faire. Et encore une fois, tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, ils se reconnaîtront. Je voulais vous dire merci.